ces derniers jours n'étaient pas faciles. Malgré tout ce qu'on a bien pu faire, malheureusement, je me suis conduit. Ce que je peux dire, il a été un homme fort. Et ajouté à cela, il s'est toujours battu, toujours. Et je remercie toutes les personnes qui ont bien pu le soutenir dans cette maladie et qui ont soutenu la famille. Et je remercie aussi le président de la République pour le soin qu'il a pu pour lui. Et surtout le vice-président de la CENI, M. Sangaré. Tu peux nous raconter un souvenir que tu retiens de ton papa? Je peux vous raconter plusieurs. Si vous voulez. Il a été toujours un protecteur. Et conseiller. À chaque fois, je me rappelle, avant, il y a une semaine de cela, si je ne me trompe pas bien, pendant ce moment, il parlait. Il m'a dit que s'il parvenait à partir, que de ne pas me laisser faire. C'est que je me bats toujours pour ce que je veux, comme il a toujours fait. Malgré qu'il s'est limité en terminale, mais aujourd'hui, voilà, il a été une grande personne. Et il m'a dit de prendre exemple sur lui, s'il n'est pas, et que de ne compter que sur moi-même. Merci beaucoup. Merci à vous.